Salut tout le monde, on se retrouve sur Genshin Impact. La version globale, là il est actuellement 3h10 du matin. Et donc avant toute chose, j'avais déjà testé la version chinoise. Elle m'a pas trop plu parce que déjà il y a eu le lag vu qu'on était sur les serveurs chinois. Et qui plus est, les récompenses n'étaient pas incroyables. Donc après pour la suite... Pourquoi j'ai pas trop joué? Parce que déjà faut farm énormément pour aller. Faut farm déjà 20 minutes. Attendez, juste je change les voix parce que wow. Langue, la voix du jeu anglais, japonais. Ok, impeccable. Bah là, je suis obligé de garder ça pour le moment. Donc je vous disais que j'avais testé la version chinoise, elle m'a pas trop plu. Tout simplement parce que ça manquait énormément de... On n'avait pas les récompenses, elles étaient pas incroyables. Le taux de drop, il était dégueulasse. En espérant juste que cette fois-ci, tout soit correct. Déjà là les voix en japonais c'est correct. Ah oui. Au début, vu qu'on peut pas changer les paramètres de contrôle, enfin les touches dans le contrôle, faudra que vous allez dans vos paramètres de Windows, vous allez dans clavier et vous mettez que vous installez la version anglaise. Comme ça, vous allez avoir la touche W pour avancer en haut. Et vous allez avancer comme si enfin vous allez avoir les touches QWERTY, mais vous allez avancer comme si vous avez le clavier averti. Donc on va farm rapidement tout ça parce que voilà. Faut que je parle à qui? On va aller récupérer un petit peu toutes les ressources. Bon, déjà ça fait du bien. Le lag il est pas présent. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé la version chinoise. Elle m'a pas trop plu parce qu'il manquait pas mal de choses. Le taux drop il était dégueulasse. J'ai rien drop. Qui en plus fallait faire une demi-heure avant de faire la première multi. C'était pas un truc de fou. Donc moi j'aime bien speed un peu au début parce que ça m'énerve tout ce qui est tuto etc. Donc on va essayer d'avancer le plus rapidement possible et de passer les scénarios. Je vous laisse découvrir tout ce qui est parole, scénario. Le découvrir tout seul dans votre coin. Enfin là vous allez le découvrir mais tout ce qui est parole je vais skip rapidement. Donc là on a une compétence qui peut être utilisée rapidement et qui peut être tout simplement chargée, comme vous venez de voir, tout en maintenant la touche. Et certains monstres comment on va appeler ça? Des faiblesses. Par exemple, ces monstres-là, ils sont de type feu. Si on les met dans l'eau, ils vont perdre la vie automatiquement. Vous voyez? Bon allez, on fonce. Là on va utiliser l'attaque spéciale. Oui, en termes de graphisme, c'est pas mal en soi. Hein. Bon allez. On va forcer un peu tout ça. Message important, c'est quoi le message?
Succès. On va récupérer tout ça. Il y a quoi? Annonce. Ok, donc message. On va aller tout récupérer. Tout récupérer. On a quoi? Ouais, pas un truc de fou. Bon. Tout ce qui est invocation, on va s'en occuper après. Là, on va avancer un peu dans l'histoire. Acnologia, lui je l'appelle Acnologia. Dès qu'on arrive aux invocations, vu que là on les a pas encore débloqués. Le coffre, en fait, il se débloque au moment où on finit tous les meubles qui se trouvent dans la zone. Hein. Histoire, on s'en fout. Vous avez une suite de combos à faire que vous pouvez appliquer. Donc on appuie et là, voilà. Ouais. Voilà, on va aller récupérer. Ok, je vais tout récupérer. Ok. Donc on y va. On va travailler l'histoire directement, on va pas passer par découverte de jeu ou quoi que ce soit. Vous avez déjà des Polia, le youtubeur Polia qui a bien travaillé le jeu, qui pourrait vous avancer et vous guider sur le jeu. Donc youtubeur Polia, vous tapez juste Polia, vous allez le voir automatiquement. Pour le moment, l'impression que j'ai, c'est la même. Hein. Pour le moment, on a une petite multi. On a eu des équipements que j'ai équipés par la suite là. Oh, qui est là? Oh. Pour moi, on est aux alentours de 5-10 minutes là. Ok. Ok. Alors, heureusement qu'ils sont toujours. On va skip rapidement. Dès qu'on arrive à la grande ville, on va aller invoquer. Là, c'est le perso free to play sur lequel on peut jouer. Donc ce personnage est un personnage à distance qui joue avec des flèches explosives à retardement, plus bombe, une poupée bombe plutôt. Allez, 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 allez. Se passe quoi là? Après, il y a une suite de combos à faire entre les personnages, comme vous l'avez vu. On peut passer de feu à vent, de vent à électricité, de l'électricité à eau, etc. Suivant les faiblesses des adversaires, des faiblesses éléments des adversaires. Faut que j'aille en haut, c'est vrai ça.
Je me rappelais, je faisais pas autant de dégâts au niveau 1 avec ce personnage. Bon, Nigo, on continue. Faut que j'élimine lui. Est-ce que je touche de là? Non. Donc faut que je permute avec ce personnage. Que je switch et je fasse ça. Ok, on skip, on y va rapidement. En espérant que le jeu ne se casse pas la gueule, hein, parce qu'il a un bon avenir le jeu. Le truc c'est que ce délire où il faut farmer je sais pas combien de temps avant de faire ses premières abilities, c'est pas rentable. C'est pas du tout rentable pour les free to play. J'avais oublié que j'avais pas encore drop le vol plané. Ça on s'en fout. Équipe, personnage. Détail. Niveau supérieur. On va le laisser pour l'autre personnage. On va garder ça. Tout ça pour les autres personnages. Qu'on va drop au fur et à mesure du temps. Après c'est un jeu solo. Enfin on va débloquer les missions coop plus tard. Mais ça c'est un jeu solo. Donc les personnages free to play, il n'y a pas vraiment de classement, il n'y a pas de PVP. Donc vous n'avez pas besoin de forcément faire des dingueries ou quoi que ce soit sur votre porte-monnaie. Hein. Donc voilà, là on est arrivé. On est arrivé à la grande ville, au village, où vous faites la paix comme vous le voyez, au royaume. Et on va essayer d'aller le plus vite possible pour faire la première invocation, la première multi, pour voir un peu si le taux de drop n'est pas dégueulasse. Allez, allez. Et une, deux, et une, deux. Normalement, on a bientôt terminé. D'ici une petite dizaine de minutes, là, on aura notre première multi. On est obligé de passer par ça. Suivre. J'avais fait quoi la dernière fois déjà? Oula. Ok. Oh là là. Juste un truc, faut que je rechange. Voilà. Est-ce qu'on peut? Yes, carré. Voilà, on va un peu, on va courir un peu. Ça sert à rien de grimper ce mur, il est beaucoup trop long pour le peu d'endurance qu'on a. De toute façon, au fur et à mesure du temps, l'endurance monte. Donc c'est tranquille.
j'aille où après? Faut que j'aille parler à ces personnes-là. Ah oui, on va combattre le petit dragon du début là, qu'on avait vu. Enfin, pas un... Je crois, si je m'en souviens bien. Ah oui, le... Voilà, le vol plané. Après, c'est un peu long, mais tranquille. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et voilà, je pense que c'est ici où on va attaquer le dragon. Ouais, c'est bien ici. N'empêche, les graphismes ils sont vraiment pas mal hein, pour un jeu qui est aussi sur console, enfin sur mobile. D'ailleurs ouais, il est aussi sur PS4. Ah, ça m'énerve de pas skip. Bon là je me concentre un peu, je vais pas trop parler, enfin bon j'ai pas besoin forcément de me concentrer donc juste la sensibilité elle est un petit peu trop forte. Bon normalement là on a bientôt terminé. Voilà, carré, c'est carré, c'est carré. Ok. Il s'est enfui, il s'est barré. Et là, on va rentrer dans, on va dire, dans le palais, hein. Si on peut appeler ça comme ça. Il peut vous arriver d'apercevoir les formes mystérieuses. Bah, j'ai pas fini de lire. Bon, tranquille. Le fameux personnage. Il est pas mal ce personnage, je l'avais testé sur la version chinoise. C'est un perso de type glace qui ralentit et qui stun. Enfin qui gèle, qui stun. On va faire notre radin, on va faire notre crevard, on veut notre récompense. Go quartier général de l'ordre. Succès, on récupère. Ok, c'est carré. Et on va aller drop tout ça. On va pouvoir... Ouais, j'ai oublié de réactiver le truc. On va aller pouvoir invoquer dans quelques instants. Avant de finir la vidéo en beauté. Je vous invite à venir sur le Discord de Kimetsu. Parce que je suis en train de faire la promo. On va pas appeler ça une promo. Faut que je remonte. Oh là là. Faut que je remonte. Ok, carré. Je suis en train de faire la promo du jeu là, du jeu mobile. Parce qu'il arrive d'ici deux mois facilement là.
En attendant, on va jouer un peu à Genshin Impact. On verra s'il y aura d'ici là le retour de Naruto Slugfest. Parce qu'on l'attend avec grande impatience. Et quoi d'autre? On attend quoi d'autre? My Hero Academia et One Piece, enfin My Hero Academia de Strongest Hero et One Piece Fighting Pass. Deux jeux sur une version chinoise, bien sûr. Ok. Ils se sont trop cassés la tête pour le scénario, les paroles, le dialogue. Oh, le dialogue, c'est incroyable, il est trop long. Oh. Ils auraient dû mettre un petit truc skip là, parce que là, c'est trop long, ça nous fait pas du temps, ça. Wow. La voix du Gablu là, elle est pas mal, hein. Ok, donc là on débloque les invoques, les vœux. La boutique pour acheter tout ce qui est matériel. Donc boutique vœux, ils sont là. On va voir un peu ce que ça donne. Ah mais on n'a même pas assez en fait. On n'a pas assez pour faire 10 vœux. Vous voyez, c'est pour ça que ça m'énerve. On galère à farm. Donc là, on va économiser. Ou peut-être que... Non. J'aurais dit peut-être, mais en fait non. Donc on va aller farmer encore un peu. Lettre de remerciement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Ok, donc on va aller XP jusqu'au niveau 7. Pourquoi j'ai obtenu quoi? Non, on n'a rien obtenu. Donc on va... Faut que j'aille voir qui. Est-ce qu'il faut que je retourne dans le QG? Je m'en souviens plus. Non, c'est bon. C'est drôlement long tout ça. Ah oui, il fallait qu'on aille voir le taux de drop. Le taux de drop. Déjà, c'est sûr, j'ai invoqué sur ça, mais détail. Le 0,6, mais c'est incroyable ça. Mais qu'est-ce que c'est gentil de leur part. 0,6% de drop. Un perso 5 étoiles.
Taux d'obtention de 0,1, taux d'obtention totale, obtention garantie inclus, mission, ok. Une fois tous les 4, ouais, au bout de 90, oh mais c'est des chiens de la casse, vraiment. Et vraiment. On va aller fermer ça rapidement. Y a quoi d'autre que je peux aller voir? Niveau 5, dans deux niveaux là, ils vont nous donner assez de pour faire une multi. Donc on va faire ça. Non, je vais juste récupérer la pomme. Ok. On va faire notre premier donjon. On va faire l'invocation. Ok. Donc on change et on fait ça. Ok, impeccable. On charge à fond. Ah, pourquoi j'ai annulé? Ok, impeccable. Vas-y, explose, qu'on termine vite. Ok. Pourquoi j'ai utilisé l'aspect, oh là là. On va aller récupérer toutes les ressources parce qu'elles sont méga importantes. Au fil du temps, elles seront importantes. Donc dans les... voilà les réactions élémentaires comme je vous l'avais dit. C'est les trucs, c'est les combos à faire entre les personnages qu'on va les swap. Les switch, les tempos et tout. Ça c'est fait. Vas-y, explose. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, impeccable. Comment je... Ah oui, c'est vrai. Pour ça, faut que... qu'on prenne le même élément, qu'on charge à fond, et qu'on fasse ça. Ok, allez. Ok, impeccable. Dès qu'on finit ce donjon, de toute façon, ce temple, ce donjon.
On pourra les invoquer de toute façon. Ok. C'est profond. Parle du dicton 1. Ok, j'ai assez de quoi pour invoquer. Enfin, j'ai assez de quoi invoquer. Et on va partir tout de suite sur F3. Non, toujours pas. Il me manque 10. Ils abusent pas un peu. J'ai aucun truc à... Bah vas-y, faut que je farme encore. Il me faut 10, donc ouais, faut que je force un peu. Je suis niveau combien là? 5, ok. On va forcer un peu, un petit peu plus. Ok, non, oh, je l'ai pas terminé. On récupère ça. Et on en switch. Ouais, c'était juste pour voir. C'est pour les personnages, artefacts. Plan forcé ou pas? Non, y a rien. Oh, j'espère qu'à la prochaine quête on pourra invoquer, parce que je me souviens pas exactement à quel moment j'avais invoqué sur l'autre version. Ok, on y va. J'appelle plus ça une cuisse de poulet qu'une voie, que la volaille. Hein. Ça va aussi, en fait, le fait que je gagne un peu d'XP, ça va m'aider aussi pour le niveau 7, vu qu'ils vont nous donner les ressources nécessaires. Ok, impeccable. Prochain donjon en espérant qu'il nous donne quoi que, ce qu'il nous faut pour invoquer. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était assez long. C'est énervant en fait. Ils auraient dû nous donner dès le début au moins une multi à faire, qu'on galère pas trop. Même si c'est un personnage qu'on aura plus tard, ça sera bien qu'on l'aurait eu au début. Un personnage free to play. Sauf que là c'est beaucoup beaucoup trop long et ils en abusent. Ils abusent vraiment
de tout ça en fait, hein. Comment c'est? Est-ce que je vais être niveau 7? Kaya. Kaya ou Kaya? Kaya. Ce gameplay, enfin le gameplay de ce personnage, il est vraiment pas mal. Les petits TP qui passent à travers le qui passent derrière le personnage et tout, je kiffe. Je parle pas trop comme ça, on speed un peu et on invoque. Ça qui ressemble le personnage. J'ai failli ne pas récupérer les récompenses. Là on va utiliser notre spé pour marcher à travers enfin sur la glace pour pas qu'on tombe dans les pics. Ça qui est bien avec ce personnage. Là, on attend. Ah, je crois qu'on est arrivé au boss. Ah, on est arrivé au boss là. Donc là ils vont se dire au revoir et tout. Et par la suite, il y a un personnage mystère qui va arriver. Personnage mystérieux plutôt. Qui se présentera plus tard. Pendant que lui va galérer, il va arriver en plein milieu du truc pour l'aider et tout. Un peu comme dans un shonen quoi. Voilà. Il est vraiment stylé ce personnage. Son arrivée elle est incroyable aussi. Bon, je sais que j'ai pas encore up niveau 7, mais normalement là j'ai ma première multi. A priori. Parce que sur l'autre, on était à peu près à là. Voilà. Bon allez, on y va. Invocation. Bon, ils abusent. Ils abusent.
De quoi? Ça c'est quoi? Ça je sais. Bon, on va aller invoquer là-dessus. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'on va drop? Impeccable. Oh, oh là là. Ça c'est bon. Ok. Ok, c'est carré, c'est carré, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Par contre... Pourquoi je pouvais pas invoquer là-dessus? Bon, ça va après. C'est pas grave. Bon, on a déjà une arme pour le personnage free-to-play. Et on va aller voir. On va aller l'équiper. Équipe. Après, c'est dommage parce que c'est pas un perso que... Réellement remplacé que j'aurais voulu. Oh, automatique. Forcé. Tout ça pour 8 niveaux. Ok, bon. Raffiné, c'est quoi? Il nous faut quoi? Ok, bon. Remplacer. On va voir un peu les dégâts. Dès qu'on a un mob, on va aller voir. Et concernant lui, détail, je sais qu'il a une arme, mais je remplacer. Allez, remplacer. On va aller farmer encore un peu pour la vraie première multi parce que je sais pas. On va aller dans déjà inventaire. Ah, j'en ai qu'une seule. Ah oui. J'en ai 120. On va aller dans la boutique, on va voir ce que ça donne. Qu'on découvre en même temps. Échange astral. C'est ça qu'il nous faut, hein. Ouais, c'est bien ça. Échange. J'en ai combien? Je vais m'en acheter deux. De fatalité. Est-ce que c'est les bons trucs que j'ai acheté? J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ah ouais, c'est bien les mauvaises. C'est la mauvaise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû voir avant d'acheter. Voilà, ils vont apparaître. Ça sera la fin de la vidéo de toute façon. C'est juste pour tester l'arme. Ah ben oui, du coup.
Ouais, déjà les dégâts, c'est pas du tout la même. C'est quoi ça? Oh! Ah, ça va, j'ai pas perdu de vie. Bon, la distance, enfin la puissance maximale, elle est pas. Est-ce que je touche? Bah, de toute façon, il n'y a rien. Normalement ici, je me rappelle, il y avait des mobs. On va aller les faire, hein. On est bientôt niveau 7, c'est carré. Là, si je m'en souviens bien, faut faire tout le tour. Ouais, donc là, faut qu'on monte par là. Il y aura un mob. Le mob, il est en haut. Ah, le mobile est en haut. Wow, c'est trop long, ça casse la tête, c'est un truc de fou. Ils kiffent trop nous faire galérer en fait. Ah, je me dis bien, il y avait des mobs. On récupère ça. Pour moi, on va jouer avec ce personnage vu que j'ai réussi à drop une bonne arme. Enfin, je pense que c'est même l'une des meilleures armes. On va aller voir juste après le chargement. Parce que j'ai quand même envie de faire ma multi en fait là. Parce qu'elle me fatigue. Bon, j'en ai deux, c'est déjà correct. Donc c'est les arcs-en-ciel qu'il me faut, hein. C'est pas les bleus. Ouais, donc j'ai bien drop. C'est bien. Non, c'est pas celui-là que j'ai drop. C'est pas du tout celui-là que j'ai drop. On va aller voir. Celui que j'ai drop. Non, attends. Attendez. Lequel j'ai drop? Comment il s'appelle? Lequel j'ai drop? L de la voûte d'azur. Ok, L de la voûte d'azur. Il y
Et on va aller voir ça tout de suite. Historique. Non, c'est pas ça. Ok. Vol d'azur, hein. La voûte d'azur, mais disent pas. Qu'ils disent pas c'est quel élément ou quoi que ce soit. Enfin, je me suis mal exprimé, mais on va pas tarder là-dessus. On fera ça plus proprement la prochaine fois, demain. Je vais l'équiper après parce que j'ai aussi son grimoire. Donc là, on passe au quatrième personnage. Et là, on va faire ça. Oh, y a rien dans les caisses, c'est incroyable, hein. C'est un truc de fou. Ok, c'est un peu long. Oui. Oh là là. Oh là là. En plus, je perds de la vie bêtement quand je fais ça. Faut que j'aille où? Dans quel sens? Non. Je sais même plus dans quel sens faut que j'aille. Ah ok, là. Je me rappelle même plus. Attends.
Non, ça marche pas ici. J'ai zappé comment il fallait faire ici. Oh, moi aussi je suis débile. Une fatigue. Tout ça pour une multi que... Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas cette multi. Y a un truc qui manque, je sais pas pourquoi, mais... Je sais qu'il y a un truc qui manque. J'ai oublié ce qu'il faudrait que je fasse ici, oh là là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque, mais je sais pas ce que c'est. Je comprends rien, je comprends rien. Il apparaît que maintenant, sérieusement. Oh, tout à l'heure, il était pas. Hein. Ça, c'était un bug du jeu. Ah, oh, ils m'ont fait serrer là, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'en suis sûr à 100%, il était pas. Me fatiguait pour cette quête. Normalement, en plus, j'ai passé niveau 7 là. J'espère. Vu qu'on arrive au boss, d'ailleurs elle... Faut que je lui fasse bouffer un truc, non? Utiliser... Confirmer. Ok. Ouah la galère, tout ça pour ça. Est-ce que je up niveau 7? Est-ce que je vais pouvoir faire une invocation ou pas? Ok. Ah.
Je suis niveau combien? Est-ce que je suis niveau 7? Est-ce que je suis niveau 7? Non, toujours pas. On va récupérer ça. Faut que j'aille où? J'ai... Est-ce que c'est la quête principale? Faut que je sois niveau 10, ok. Oh là là. La bonne galère. On va aller faire ça. Non! Un truc aussi. Oh là là. Vraiment un truc débile ce que je viens de faire. Inventaire. Utiliser. Oh, je les ai fait tomber, wow. Faut que je récupère le coffre maintenant. Ok. Ouais, c'est quoi ça? Oh, ils m'ont fait peur. Quoi ça? Pourquoi il y a un puits? Que je fasse pas la même erreur que tout à l'heure. On va aller voir après. Ok, c'est carré. Hein. J'en avais vu un autre, je crois. Je suis pas sûr. Il est là.
Ouais, on va aller récupérer le coffre. Ok. J'avais un petit groupe de mobs là-bas au fond. N'empêche comment ils nous font galérer juste pour juste pour ça en fait. Faut que j'aille là-bas. Wow, l'XP il est super long, c'est incroyable. J'aurais dû lancer un live à ce niveau-là. Ça m'énerve. Je commence à fatiguer en plus. Incroyable. Allez.
Enfin, faudrait juste que je change de perso. Ah oui, c'est là, oui, d'accord, c'est plus simple. Après, il faut suivre. Ok. Ok, bientôt niveau 7. Et peut-être, pourquoi pas, la première multi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'était que ça? Tout offrir. Enfin! Niveau 7, allez. On va aller voir un peu sa récompense. Tout récupérer. Enfin... Allez, go. Perso 4 étoiles. Ah, j'ai le seum. Ah, allez, on skip. Oh, oh, j'ai le seum. C'est ça, c'est pas avoir le seum, c'est quoi? 536. On va aller dans la boutique pour voir. Ok, il m'en faut 1000. Chance astrale. C'est bien les arcs. Attends. Oh, je le sème. Ah. On a acheté 3. Je fasse pas d'erreur. C'est bien eux qu'il faut. Alors, c'est où? C'est où? C'est où? Boutique. On va en acheter 3. Champ astral. Ok. Donc j'en ai 3 plus... ok. Lâche, où faut que j'aille? J'ai...
On va voir ce qu'elle donne. Ça m'a l'air d'être un support qui se tient ou qui ralentit. On va voir ça, j'ai pas envie d'aller lire. Okay. Ah mais c'est ouais, c'est bien support, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant mais pas plus que ça en fait. On peut pas nager dedans, c'est complètement débile. Allez, on arrive bientôt à la fin. Je chope l'arme, mais je chope pas... Enfin, je chope l'arme. J'ai pas chopé la meilleure des armes, mais... Ah ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Je te récupère? Non. Anniversaire. On va faire ça. Confirmer. Et après c'est tout. Mais on va terminer sur ça en soi. 656. C'est pas ça qu'il me faut. C'est ça. Donc ça j'en ai 3. Il me faut 10. Là. C'est 160. 160 fois 2, 320. 480 par 3. Voilà, j'en ai 7 au total. C'est déjà ça. Je fais quoi là? Wow, 200 mètres, hein, toujours plus long. Ils vont me saouler sinon.
Dès que j'aurai un autre perso qui utilise un arc, je vais changer bien sûr. Hein. Je vais pas garder ce perso free to play là. Alors vraiment nous avoir donné, nous faire, enfin plutôt nous faire galère autant. Mais ne serait-ce même que pour up en fait. C'est un truc de fou. Hein. Faut que j'aille où? Suis en plein milieu du truc, je sais pas ce qu'il me faut. On va monter en haut pour voir. Je vois plus le point. Attends, il est en bas? La cible, mais qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Ah d'accord. Je me disais pourquoi je galérais. D'accord. Je suis débile aussi. Équipé. Faut que j'aille sur le personnage et que je l'équipe. Détail. Arme. Placer. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut là ou pas? On va aller ca casser tous les trucs en vrai. Hein. Tous les minerais, on va les casser. J'ai tout pris? Non, il m'en reste un. Ok, par là. La bonne galère pour up juste niveau 10. Mais j'ai du vol de vie.
regarde un peu tout. Ok, bon. Et on fait ça. Placer. Comme ça, je galère pas. C'est ici? Non, aptitude. Attribut élevé. Ok, faut que je soigne au 15. Bon, on va y aller. On va s'arrêter là bientôt de toute façon. Fais cette dernière quête pour terminer parce que je suis complètement fatigué. C'est même pas par là qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce que c'est long? Allez. Quatre heures 38, ça fait plus d'une heure que j'ai fait, on va terminer sur ça, allez. De toute façon.